VOD, on est sur Assassin's Creed Mirage et on vient de terminer l'intro. On était ici exactement et on continue. On continue. Alors bon, le personnage a fini tort ce poil, mais est-ce un problème? Je ne pense pas. Il s'est passé des choses dans la flotte qu'on n'a pas compris. Oui, petit lapin. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais on va se diriger vers ce château parce que juste envie. Régénération de santé. Ah oui, faut que je mange. Faut que je mange et puis là je pourrais pas piquer des plats chez les mamies de mon quartier. Observez. La forteresse d'Alamut me laisse sans voix. C'est comme si elle avait surgi des hikayats qu'on me racontait quand j'étais enfant. Ah, qu'elle est classe, hein. Mais avec ces décors, ouais, j'ai vraiment un feeling à la Uplactel Requiem quand on arrive dans les villes du sud de la France. Je sais plus où on est exactement. Oh, ça saute de partout. Ça saute partout, il sautille. Sauf vous, c'est assassin. Te voilà. Et c'était très joli dans... Je crois. Dans Uplactel, donc ça me rappelle un peu ces moments-là. J'aimais bien. Il est sans effet sur le présent. Habille-toi. Ok, Yoda. Habille-toi. Fais-nous notre vanne sur le mirage. Le vrai mirage, c'est la vanne que je fais. Ah, punaise. Quel tueur. Oui, maître. Ok. Là, c'est l'entraînement. Là, c'est le training des assassins. Bon, en fait, le trauma, c'est pas que notre pote est morte, c'est que à cause d'elle, les enfants ont été assassinés. Ah oui, faut que j'aille là. Les enfants avec qui on cohabitait plus ou moins dans le Tiekar. Essayez le saut de la foi. Depuis ici? Ah non, faut que j'aille sur le côté, j'avais pas vu. Il n'est possible d'escalader les parois naturelles qu'aux endroits où les prises sont présentes. Effectivement, c'est assez logique. Pourquoi à cause d'elle? Bah parce que c'est elle qui a tué le calife. Continue comme si elle l'avait pas tué. Du calme. Le gars. Tout va bien. Saute. Allez. Oui, maître. Le gars, il aurait pas eu les glandes au point d'essayer d'assassiner tout un quartier, quoi. J'en ai vu assez. Son fils, il aurait pas eu les glandes à ce point-là. C'est la version PC, tout à fait. J'étais serein. Ton corps le montre clairement. Si, trop facilement distraire. Le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation. Oui, j'ai déjà fait. J'ai fait un plat. Les plus sacrés, les plus ancestraux de la confrérie. Pour l'effectuer avec succès, tu dois centrer ton esprit, ton corps et ton âme. Accueille la peur. Dompte-la. Trouve la sérénité. Et lance-toi. Oui. J'aurais rêvé qu'il soit. Bon, rentrons en campement. Plutôt qu'il explique que l'escalade, ça permet d'escalader. Ah, c'est une manière de dire... Tu n'es pas Spider-Man, tu peux pas... Au palais. Tu peux pas aller partout où tu veux. Témoin d'une rencontre. Tu n'es pas Link dans Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Des membres de l'ordre. Tu as besoin de prise. Devait protéger. C'est une manière de dire ça aux joueurs, quoi. Mais ignorait ce qu'il comptait en faire. Ils ne connaissaient même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage? L'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et cela en les persuadant de sa vérité. Il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succédera. Le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre. Je me cache un peu qu'on voit un peu les décors, si je vous dis. Bassim, parle à Foulad. Voici la besoin d'aide. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. Bonjour, Tabid. Bonjour, Bassim. Tabid. Qu'arrive-t-il ? À vrai dire, je me sens frustré. L'ordre ne cesse de se renforcer à Bagdad depuis le décès du calife. Et nous demeurons sur cette montagne. Mentor Ryan, c'est certainement ce qu'il fait. Je manque peut-être de confiance.
Cherche Foulad. C'est qui Foulad? Où as-tu vu Foulad? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au travail. Arakalahigan. Mais du coup, on est là depuis un petit moment, c'est ça que ça veut dire? Il se prépare à recevoir... On vient pas tout juste d'arriver, là, je comprends pas. Merci. Vas-y, mais discret à cause du chat Twitch. Ça va, y a pas de chaton dans le jeu, encore. Je dirais, y'en a plus ici. Je garantis que sinon, j'aurais attrapé tous les chats du coin. J'aurais peut-être à t'en reparler, bien entendu. J'ai enlevé le boost des dialogues. C'est chiant en fait de sentir, d'entendre les gens me parler tellement proche là, ça me stresse. Mais c'est bien qu'il y ait ça, mais le problème c'est qu'il faut pas que ce soit un boost de dialogue qui soit efficace sur les dialogues ambiants. Faut que ce soit que sur les dialogues pas ambiants. En gros. Je sais plus où c'est audio. Audio. Non. On entend quand même le dialogue de très proche. Hein. Sinon, je baisse les effets sonores, c'est peut-être ça. Excusez-moi, je me nuigne un peu. Mais ça, c'est chiant. Moi, ça fait qu'il y a des endroits où je pars vite parce que je suis saoulée d'entendre les gens faire dans mes oreilles. Parce qu'en plus, ils sont très proches. C'est vraiment comme entendre quelqu'un qui te parle très très proche. C'est stressant de fou. Volume principal, effet sonore. Mais c'est pas effet sonore, c'est les sons d'environnement en fait. Je pense que... Assalamu alaikum, Basim. Je sens plus que jamais le froid me glacer les os. Je vais faire quoi? J'ai pas lu. Par la foulade. Mais tu fous pas par la foulade. Je m'endors épuisé et meurtri. Ça va, vous êtes pas si mal placé en vrai, hein. Ça va, bon, c'est un peu chiant pour monter les courses, mais sinon, on est quand même bien ici. Bonjour, hein. Ah, qu'y a-t-il dans ce coin-là? Oh, il y a un aigle. Un petit dessin. T'as vu? C'est ma signature, afin que tu saches que c'est une moi. Une ellipse de deux mois. Ah, deux mois. Pire, Abu Jafar. Le temps avant le fond vert. Vous préférez que je mette un fond vert? Je peux, hein. Ah, bah si. Vous me dites. Non. Oui, coucou toi. Tu vas manger. Il est joli. Il est intelligent. Et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce on te dit? Ouais, vous me dites. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan? Ah mais du coup, les dialogues sont plus bas. Sois patient, veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah oui, Rebecca a besoin de... C'est du luxe, mais non, mais je peux le sortir, c'est ça que je veux dire. Je vais en chercher dans les réserves. Si vous voulez un peu plus d'immersion, je peux. Foulad. Arrakalahikan. Hop là. C'est vrai que là c'est moins immersif. C'est frais, c'est frais. Oh, ça zoome un peu quand je fais rien. C'est rigolo. Et là ça dézoome. Oh, c'est rigolo. Moi je veux voir l'oiseau. Rebecca a besoin de lanière de cuir qui se trouve. Le siège de Constantinople était levé. L'attaque de Ruth. Des Ruth. Les Russes, quoi. A frappé telle la foudre. Comme l'a déclaré le patriarche, les hommes du nord ont attaqué le village au-delà de la cité qu'ils ont ravagé. J'ai vu Viking! Je connais. Notre ère va bientôt envoyer d'autres sièges. D'autres aigles? Pourquoi j'ai lu siège? À la ville de Biza, de nouveaux périls menacent et je doute que des hommes du nord en aient fini avec nous, ton frère dans l'ombre. Et un oiseau! Moi aussi, je veux un aigle. Je veux avoir un aigle. Compte rendu d'instruction. Basim, et après c'est long. Il est arrogant, mais ce n'est pas à cela qu'il doit ses ennuis.
Il y a quelque chose d'extraordinaire en lui, mais qu'il protège autant qu'il garde, qu'il garde son cœur. Un membre de ceux qu'on ne voit pas. Ouais, bon, voilà, c'est à... Nous sommes basiques, mais nous sommes spéciales, mais arrogants, enfin classique, quoi. C'est beau le truc que t'es... Oh, Louis. C'est toi qui va être immergé dans le jeu avec le fond vert. Ah non, moi ça change rien, parce que moi je vois le jeu. Pareil. Mais vous, vous verrez moins de... Voilà, vous verrez moins un arrière-plan qui peut éventuellement gâcher un peu le côté immersif du jeu. Vu que c'est un jeu avec des très jolis décors et tout. Y a pas beaucoup d'interfaces, donc moi j'ai plusieurs endroits où mettre ma cam. Mais le jeu est joli. Donc je peux mettre le fond vert pour qu'on en profite d'autant plus. Hop là. Comment je monte? J'ai oublié comment on joue. Comme ça. Voilà. Bon, Oakshade là-bas. J'ai choisi mon chemin le plus court. Passer par là. Je regarde en 480, donc l'immersion, voilà quoi. Le vrai mirage, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin. C'est si déprimant comme phrase. La vraie immersion, c'est nos cams. C'est pour ça qu'il y a plein de moments, notamment les cinématiques, où j'enlève. Pas simple de trouver quelque chose ici. Mais c'est quand même plus immersif avec une cam avec fond vert. Ça, on ne peut point le nier. Est-ce soin de rappeler au bureau de Bagdad de faire parvenir chaque plume ensanglantée et compte-rendu de mission à Alamut. Chacune de ces plumes est une victoire et elles doivent être recueillies et faire l'objet d'une chronique pas fermentée dans le marais de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une simple cérémonie, les générations à venir de ceux qu'on ne voit pas. C'est quoi ceux qu'on ne voit pas? Examinerons nos archives à la recherche de références. Notre passé doit instruire notre avenir. On ne va pas le laisser s'effacer. Non. Ce n'est pas une lanière de cuir. D'accord. Oui, il fallait que je trouve des lanières de cuir, c'est vrai. Mais moi, je suis trop dissipé. Ce n'est pas ça. Effectivement. Ah oui, ma vision de l'aigle. C'est ça. Même du califat commence à peser lourdement sur nous. Des forces? Tu veux parler de l'ordre, Aban? Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, Yassine. C'est bien que ça résonne un peu. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous, vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Ça donnait quoi, Diablo? J'avais des crashs à chaque fois que je les... Quoi qu'il en soit, des crash OBS à chaque fois que je les stream, donc j'ai arrêté de le stream et un peu par la même occasion j'ai arrêté d'y jouer. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. Ce qu'on ne voit pas, c'est les assassins. Ah, je pensais que c'était ceux qui nous renseignaient en tant qu'assassins. Ok, merci. Ouais, j'avais des crashs à chaque fois. Les Tahirites qui dirigent. Donc j'en ai eu marre. Et plusieurs par live, je fais vas-y, c'est bon. La paix est fragile. Crash OBS ou crash du jeu. Parfois des deux, enfin voilà. Donc bon. Je suis un peu triste. On me dit que tu cherches toujours, que tu traques des rumeurs en prononçant mon nom. La femme que tu recherches est morte. Et ce nom est enterré avec elle. Je suis Roshan, fille de personne, sœur de beaucoup. Je nomme mon chagrin dans la fraternité. Il n'y a pas ta place. Car cette cause est cruelle envers les nôtres. Et je ne veux pas te voir souffrir. Rebrousse son chemin, mon petit ami. Ne me cherche plus. Oh, friendzonette. Cher Roshan, je joins à ma lettre une découverte rare. Un croquis ancien de la lame secrète. Oh, c'est... Quand on va voir la lame comme ça. Attendez. La toute première, tu envoies le nom Fléau de Xerxès. Ce fut la lame de Darius. J'ignore si notre célèbre ancêtre a regagné sa chair perse après sa trahison, mais je me suis dit que j'allais envoyer cette représentation de sa lame vers son rivage natif et vers toi.
C'est vrai qu'on n'a pas encore... On n'a pas eu d'armes depuis le début. Alors, comment se passent les travaux? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Yasaidi. Cela doit être agaçant. Mentor Rayan est un homme sage. Mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat as-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a... bien changé. Ah oui, voilà. Brouille de danger. Bon, bah j'ai apporté Mélania, moi. Hein. Je vais t'arrêter. Ah, est-ce que je peux faire de la tyrolienne? J'ai fait B par réflexe. Je pouvais. Mais attendez, à main nue, tyrolienne à main nue. Bah, c'est bien, parce qu'après, il n'y a plus du tout de main. Et notre pote, à votre avis, est devenue quoi? Celle qui a tué le calife? Rebecca? Bassim, Bassim. Es-tu encore aéré sans but dans le campement? Non. J'ai ce morceau presque. De cuir pour Franchement, moi. Presque. Fera-t-il l'affaire? She dead. Non, on va la retrouver plus tard, c'est sûr. Apparemment, tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais Roshan a insisté. Voici ta dague. C'est pas comme ça qu'on tend un couteau ou une dague. On la tend par la lame. Et ton épée. Je suis fière d'y avoir travaillé. Oh, trop classe. Sabre. Ah, ça me fait un peu penser à ce qu'on appelle les sabres. Hein. Je sais pas si c'est vraiment le bon nom, mais... Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Non, mais c'est du fer. Je ne m'attendais pas à recevoir des ça nouvelles va, hein. armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant. Ou alors elle fait partie des mecs au masque. Bah, c'est stressant. Ou peut-être elle a toujours fait partie. Ah, sabre à l'ancienne. Ah, c'est ça. C'est trop stylé. Va lui montrer ta nouvelle épée. Comme les sabres Gerudo. Les Zelda. Bon, j'ai enfin des armes. Apprendre à employer l'outil des couteaux. Ok, ok. Je veux employer des outils des couteaux. C'est où? Oh, c'est haut. Ok, je peux escalader, mais là, il faut vachement escalader quand même. Il veut me parler, Izia. Comment va ton instruction, Yasadiki? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau, et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible. Ça pourrait être une métaphore. De façon meurtrière. Sabre, un seul tranchant. Oh, d'accord. On se sert d'une lame? Oh oui. Ok, merci. Merci beaucoup. La roue des outils. Me fait rire. Pile coffre. Hop là. Bon. Faut que je m'entraîne. J'y vais. Je suis trop dissipé là. Heureusement, il n'y a pas de chat à caresser. Quoi? Qu'est-ce que je peux faire? On nique le monde de charge en faisant ça un peu, hein. Ça je vais faire. En fait j'oublie qu'elle touche, je dois appuyer, c'est B pour être discrète, mais c'est ça, B pour être discrète mais A pour sauter. Du coup des fois j'ai envie de sauter avec B vu que tout à l'heure j'utilisais tout le temps le B. Sympa en vrai, j'aime bien. Oui normal, non mais... Je dois faire ce chemin tous les jours avant d'aller à l'entraînement? Et ça va être fastidieux un peu. En fait, le chemin lui-même est un entraînement finalement. C'est métaphorique quoi. Beau travail. À demain. Bassim, il est temps de t'entraîner au combat. Oui. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas?
Mais ils ont des lames partout. Doivent savoir manier de nombreuses armes. Regardez, la ceinture est remplie de lames de tous les côtés. Mille visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu? Je suis là pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là? Eh bien, oui, je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit? Est-ce une énigme? Non, c'est la différence entre la vie et la mort. Prends soin de me faire face et de tourner autour de moi. N'offre jamais ton dos à un adversaire. Oui, c'est mieux. Commence par me montrer mes coups rapides. J'ai montré mes coups rapides. Allez, j'arrête, hein. Bien. Eh bien, je t'attends. Eh bien, tu m'attends. Excellent. Il faut parfois appliquer plus de force à une attaque afin de causer d'abord. Pardon, je t'ai coupé la parole. Mais cela fera baisser ta garde. Alors agis au bon moment. Vas-y. Oui, c'est ça. Oh, le décor est bien stylax. Allez, attaque en force. Excellent. À présent, ah, je peux pas tourner la cam. Tu peux parer voilà. Les attaques oui, parce que de l'adversaire. Après quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaie de parer mes attaques. Comment? Ok. Attends. Reste arrête. Concentré, Basim. Ça va m'entraîner pour Lies of P. J'ai la même touche. Oui, c'est bien. Excellent. Il est impossible de parer certaines attaques. Il faut alors esquiver. Prépare-toi. Il y a un petit ovni là. Un petit ovni là. Attends, je regarde pas les ovnis. Faut que j'esquive au bon moment, je pense. Là, j'ai trop esquivé. Beau travail. C'est ça, oui. Oui, bien joué. Ça va. C'est... Improvisons un combat. C'est pas trop dépaysant. De ce que tu as appris. Tu as réussi à me surprendre. Bien joué. Je ne m'y attendais pas. Ça va pas du tout la pause. On s'est tous les deux transpercés là de ce qu'on a fait. Ça allait pas. Pourquoi la pause. L'échec ne m'apprend rien. Contraire. L'apprentissage exige action et calme à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ces paroles et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Il accepte trop facilement alors qu'il a l'air un peu chiant. À plus tard. Ah oui, d'accord. On est tout en bas du palais. Punaise, j'avais même pas fait gaffe. Ahmad va bientôt regagner la maison de la sagesse. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Je sais à quel point tu es proche de ton frère. Nous en saurons bientôt plus. Alors, nous pourrons agir. Assalamu alaikum, Abu Jafar. C'est Ahmad. Ahmad. Oui. Il s'est trompé. Je sais pas, ça me fait rire. Viens te réchauffer près du feu. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. Il va tellement mourir. Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années. Mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas.
J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Foulad, raconte à Bassim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Maat. Les plumes du héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles. Ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le seigneur de la douate. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Ça, les plumes dont, ça, dont la petite lettre parlait. De la justice, mais pas les juges eux-mêmes. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir ? Je vais venir avec toi, Anour. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. Tu viens, Bassim ? Tu écouteras. Tu viens, Bassim ? Bassim, tu viens ? Attendez, je vais faire une petite incrustation là. J'ai envie qu'on ait un petit fond vert quand même. J'arrive tout de suite. Je suis là. Hein. J'arrive tout de suite, je suis presque prêt. Voilà, et ensuite. Où ma lampe ? J'avais une lampe spéciale. Elle est là. Ça arrive. Franchement, ça arrive pas. Normalement, là, j'en ai même pas vu. Ah mince, j'ai fait tomber. J'ai pas de support. Ok. Oui, je fais des bisous, Nico. Voilà. Voilà. Comme ça, je gênerai moi. Est-ce que c'est dommage quand même? Le mélange des couleurs de mon décor plus l'endroit qui est plus pourtant tout stylé, j'ai envie qu'on en profite. Tu sais bien que oui. J'ai entendu par accident Mentor Raihan converser avec un émissaire. Mentor Raihan a demandé si nous risquions d'être attaqués en raison de nos liens. Merci, avec Geekul, les rebelles de Bagdad. Sommes-nous en sécurité à Alamut? Je l'ignore. Mais non, forcément non. Vous êtes très repérable. Comment se passe la garde? Il ne se passe rien sur Alamut. Mais pas enfin. Et mon estomac crie famine. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Nous allons commencer par là. Merci. Viens, Anour. Suis-moi. Ah bon? Moi, je voulais suivre lui, comme ça, j'aurais pas besoin de réfléchir. Mon initiation? Oui, j'ai hâte. J'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma. Pardon. Mais il y a du monde réveillé la nuit, là. Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais celui qui nous attend après l'initiation. On dirait mon stream. Impressionnant. Tu veux parler de l'ordre? Je vois ses membres comme les monstres des contes. Tapis dans les coins sombres. Les ruelles obscures. À ceci près que l'ordre est bien réel. Que cherche-t-il? Classe. Il désire contrôler Bagdad. Voici Mourja. Il est trop stylé. Bientôt, tu en auras un, toi aussi. Foulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais ce n'était pas un compliment. Pour l'aigle, surtout, ouais. Elle a vu quelque chose. Suis-moi. Oui. Tout à l'heure, je me suis un peu planté. Pas un bruit, Bassim. Si, c'est plus.
Je sais plus comment tout lâcher. Ah voilà. Allez. Trouve un endroit où te cacher. Quel est cet endroit ? La prochaine sûrement de leur camp. Bah ouais, il y a plein de lumière partout les gars, vous doutez bien que c'est qu'il y a des gens qui y vivent. Hein. Distrayez les ennemis avec un siffle. Ah OK, oui. Je me suis plus trompé de touche. Je suis avec toi. Tiens, Ryan, tu fais ça avec les mains, t'as plus de mains. Mais clairement. Je pensais. Ah, je ramasse une torche. Oui, mais non. Je pensais qu'il allait genre sortir une petite sangle. Voilà, pour faire ça avec une sangle, quelque chose, un truc. Avec les mains. À main nue. Non, mais. Franchement, tu tiens pas plus de quelques secondes, je pense. Hein. Et vraiment, je suis. Je suis assez. Elle est ambitieuse en disant quelques secondes. Ça arrache tout, mais ouais. Ouais, vraiment. Hein. Non ? Il m'a vu. Faut que je fasse quoi ? Faut que j'enquête, mais ouais, faut que je tue surtout, non ? Ce bandit peut venir. On est toujours prêt. Non mais ils sont très nombreux là. Je vais pas pouvoir. D'ailleurs, je vais pas pouvoir les avoir un par un. J'avais pas vu qu'ils m'avaient suivi. J'ai flippé. Vent vert, c'est le mirage. En vrai, un peu tard. Hein. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Je suis tendue. Merci, Katharina, pour le follow. Merci beaucoup. Mais attendez, en face de lui, c'est pas un garde. Donc si je bute lui... Non, je vais le faire venir. Je vais le faire venir près de moi. Si je fais... Bon, il n'y a plus qu'à repartir. Non. Qu'est devenu ton flair? Oh, l'autre il le tue en même temps. Putain, j'avais pas... D'accord. L'enfer vous attend. Bah bon courage, Jude. Hein. Qui sait qu'on va te trouver? Exploite l'avantage. Non, mais je... J'ai fait le mauvais coup. Non. Bon, c'est pas grave. Oui, sans pitié. Ah non, ça je dois esquiver. D'accord. Ça a dû faire mal. Je peux tuer. Ah, je pouvais achever, d'accord, ça que ça voulait dire. Oui, c'est Assassin's Creed, donc tuer c'est un truc qui se fera un peu quoi. Eh, on est toujours tout immaculé de blanc. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Cette épée. Oh, elle est trop classe. Quoi? Qu'a-t-elle donc? Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Elle est trop belle en vrai. Je sais pas si c'est utile comme arme, mais c'est joli. C'est une arme de soi, quoi. Des mercenaires de un peu comme avoir une putain de belle bagnole que t'oses à peine sortir et garer. Tu veux pas la garer en public parce que t'as peur de la rayer. Tu ouvres le toit, même si t'as froid, juste pour te la péter, mais au moins tu vois, t'as une belle voiture. C'est trop violent pour moi, j'ai n'ai que 28 ans, unfollow. J'aurais dû prévenir Dizo. Mais faut savoir que c'est du meurtre non létal. Et ouais. Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui, et pour savoir qui, nous allons devoir agir.
Nous allons regagner Bagdad et demander l'aide d'Ali ibn Mohammed. Ah, bien sûr, Sahib Azanj. Cet homme est un fou. Et un fou dangereux. Un fou et un fou? Oui. Non, deux fois fou, quoi. C'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Deux fois fou? Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Mourir n'était qu'un mirage. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché. C'est un vrai fou, quoi. Entendu. Et deux fois fou. Wafakakallah. Tout pareil. Wafakakallah. Ouais, je lui dis tout pareil. Dahan. Rakaraikan. Wafakakallah. Belle voiture, c'est pas toujours aussi cher qu'on le croit. Bah, en fait, il y en a plein, ils en achètent une parce qu'elle est chère, surtout. Hein. Il y a des fous et il y a des fous dangereux. Bah lui, il est fou et fou dangereux, tu vois. C'est plutôt du genre fou, mais pas dangereux. Dangereux mais pas fou, ou alors fou dangereux. Il se fait bully par un piaf. Rencontre par un cygne. Hein. Franchement, il te victime. Hein. Mais ça t'a fait mal en vrai. C'est un entraînement. Comme les bons et les mauvais chasseurs. Il y a des bons et des mauvais fous. Et des fous dangereux, quoi. Assassin versus les autres Papy Gérard. Bah franchement, je... Là, vu sa capacité à se faire bully par un aigle... Loa, elle lui met un coup de tête, hein. Loa ou le cygne? Je sais pas quel est le plus agressif, mais je pense que le cygne, c'est potentiellement plus agressif. Oh, te la pète pas, ça. C'est démoniaque, ces conneries. Et j'aime bien, moi, ça me fait rire. Ça a l'air tout calme, tout mignon, et puis des fois, paf, ça te met une pression, tu sais pas pourquoi. Je trouve ça trop marrant. Oh, c'est joli. Oui, bon, j'arrête pas de le dire, hein. On arrête un peu. Ça va. C'est joli, oui. Oh, c'est joli. Ok, qu'est-ce qu'on fout? Ah, je suis Keblo. Ça a plein de dents. Un signe à dents. Je pensais que c'était de l'eau. J'aurais été plus rassurée. Oh, c'est Mimi, ça, par contre. Non, mais sors. Ça, j'aime bien, ça. Oh, ça, j'aime trop. Ça me donne soif. Je vais boire de l'eau. Vous aussi buvez de l'eau? Je préférais l'eau qu'il y a là, je pense. Oui! Youhou! Assalamu alaikum, Basim. Tout pareil. Je dois aller voir Al-Hassan. Il est où? Il m'attend. Ah oui, très bien. Allons-y, allons-y. Moi, je veux sortir de notre cachette de nulos, là. On se cache un peu comme des flippettes, là. Ça m'énerve. Alors, comment te sens-tu en ce jour important? C'est étrange, Al-Hassan. T'es étrange, ton regard un peu. Est plus calme que je l'aurais imaginé. Mimi Rage? Je m'attendais. C'est comme ça qu'on devrait appeler notre oiseau. Je suis à l'aise. Serein. C'est parce que tu t'es appliqué lors de ton instruction et n'as rien laissé au hasard. Tiens, Basim. Ah, du pain. Tu as bien mérité ceci. C'est un grand honneur. Mais j'imagine que tu le sais. Ah, j'ai trop envie de pain. Roshan et les autres m'attendent. Wadahan. De pain et de Saint-Paulin. Et merci, Al-Hassan. Ok. J'ai eu un paquet emballé. Oui, d'accord, c'est super solennel, mais en fait, je suis juste UPS, quoi. Je dois redoubler d'efforts. Ah, c'est mignon, ça aussi. J'aime trop quand il y a des cascades. Bon, elles sont un peu foutues bizarrement à certains endroits, mais j'aime trop.
Vous avez vu, hein, c'est vraiment le même système que dans Planet Zoo. C'est-à-dire qu'il y a une animation d'éclaboussure posée au sol, une animation d'eau qui tombe foutue en hauteur. Et voilà, entre les deux. Franchement, je pense que j'aurais mis ça un peu mieux, moi, perso. Mais enfin, bon, bref. Ça me fait bizarre. Tout d'un coup, il n'y avait plus de lumière. Salut, Weno! Comment te sens-tu, Basim? Prêt à faire ce grand saut? Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de Novice. C'est moche la flotte qui tombe. Et devenir... Point d'interrogation? Une question? Je suis reconnaissant, Fula. De manière générale, c'est joli. Le chemin. J'en suis. J'aime bien les cascades. Viens, ta nouvelle tenue n'attend que toi. Allez, viens, suis-nous. Viens avec nous dans le monde du assassin. Viens. Ne va il pas par là. Sinon ta pote tuera le califat et ça niquera ta vie. En ce jour si lointain, j'étais effrayé. Oh. J'avais les mains trempées de sueur et mes genoux tremblaient. Il y a deux rangées de lumière. Des lumières qui font de la lumière, et des lumières qui font pas de la lumière. C'est pas les mêmes LED au niveau des bougies, quoi. Je reprends. Salut Booba. Comment qu'il va le Booba? J'ai un peu de mal à t'imaginer effrayé. L'effet des textures Laisse-moi sont... Laisse-moi te faire part d'un secret, Basim. Tout mal fait, c'était bizarre. Mais moi, je trouvais que c'était pas tant ça, c'était que c'était mal... Ce n'est rien d'autre qu'à posé. Justement. En fait, genre, ils l'ont mis... Pas comme il faut. J'aurais fait mieux. Franchement, j'aurais fait mieux. Oh. Oh. Le conseil. On va se faire trancher le doigt. C'est comme ça dans le premier. Ah non, on donne du pain. Un petit pain poilane là. Oh, c'est solennel. Le multi-ulti, j'ai pas, moi j'ai pas, je me suis, j'ai très peu combattu et tout. Tu parles dans le jeu, Booba? Et à emprunter le chemin de l'ombre. Pour le moment, j'ai pas vu ça. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être? Et prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher? Je le suis. N'oublie jamais les préceptes. Du coup, tac, tu coupes plus geek. Espèce d'enchaînement. Ah oui, c'était ça. Ouais, je sais pas encore. Je pense qu'il y aura un délire comme ça, effectivement. Est-ce que ça a changé depuis les vidéos? Je ne sais pas du tout. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. Et de la lumière... Tu regagneras les ombres. Ça se dit qu'ils ont façon de nos jours où on peut escalader des immeubles. Il y en a eu, hein. Il y a eu les jeux prototypes. Ah ouais, voilà, je savais qu'on avait coupé le Didi. Et il y a eu... attention, c'est peut-être... Attention, les gens sensibles, il y a des sensibilités à l'écran. Et sinon, bah, il y a les jeux Spider-Man, en vrai. Ah, il le fait lui-même, par contre. Dylan n'a pas assumé la scène. Oh, mais elle est trop cute, Dylan. Moi, franchement, ça me fait rien, mais probablement parce que je suis morte à l'intérieur. Tu suis à présent la voix de l'aigle. Non, mais normalement, par contre, la main, elle est un chouïa sensible, là. Il assume, mais il a envie de chialax. Hein. Ça se voit, hein. Regardez ses yeux. Mais genre, hein. Ouais, franchement, je le vis bien, ça va.
Regardez, il plisse un peu les yeux pour pas qu'on voit qu'il a envie de pleurer. Bienvenue chez ceux qu'on ne voit pas. Tu es mort et tu es né. Ceci n'est pas un mirage. À présent, affronte-moi en tant qu'égal. Ça a cicatrisé, vitesse grand V. Ou alors ça a pas cicatrisé et il a mis son petit support là pour la main et du coup ça colle à sa plaie. Attends, je parlais. Attends, mais oui, je parle à mon chat. M'énerve, arrête. Bien joué. Je ne me rappelle pas t'avoir enseigné ça. Ah bon? Avec quoi vais-je frapper? J'ai retenu le son, Rochad. La dague ou l'épée? Endurance est épuisée, esquive et attaque attaque consomme l'endurance. Si vous êtes à court d'endurance, vous ne pouvez plus esquiver. L'endurance se reconstitue avec le temps. J'ai raté. Qu'en est-il de ma concentration? Prends ma concentration de ta gueule. Ça aurait donné. Je me disais, l'entraînement il sert à rien là. Faire un bisou magique. Bah, s'évanouir, bon courage, carré. Ménage-toi surtout. Couper net un os avec un couteau. Ouais, et soi-même, hein. Genre, tu le fais d'un coup. Bagdad en toute hâte. Oh, il y avait Epona qui nous attendait. Ouais, bah, ça va, moi, je viens de me couper le doigt, mec. Hein. C'est bon, là. C'est bon. Holly. Fais pas ta vie cause, hein. Il a disparu. On l'a emmené en plein. L'endurance. Ouais, l'endurance, ça me saoule aussi dans beaucoup de jeux. Okay, mais je comprends. L'ordre. On va voir. Peut-être que ce sera pas horrible. Qu'on l'amène dans ma tente. Oh, la tenue rouge, elle est classe. Nous voici aveugles. Tenue rouge et noire. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Sauf le sort de petit bavard. Nous allons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Punaise, il a un côté... comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'acteur? Vous savez celui qui a un personnage dans Dead by Daylight maintenant? Le plus jeune, hein. Jake Gyllenhaal. Ah oui, aussi, oui clairement. Mais en plus jeune, il me fait penser à... Punaise, comment il s'appelle? Bah apparemment c'est un peu fini cette histoire d'Animus, un petit peu, je sais pas trop. Ah, comment il s'appelle ça lui? Entro. Attends. Cage, Nicolas Cage. Il a un côté Nicolas Cage aussi, mais jeune. Je trouve. Bon là on s'en rend pas trop compte. Ça fait griller la saucisse. Bon, probablement saucisse de mouton. Ouais, l'Animus, moi j'ai jamais aimé. Au premier, t'étais un peu curieux, et puis après, tu disais donc, bon, c'est bon. Avant ou après l'opération du nez? Ah, je sais pas, je savais pas qu'il avait opéré du nez. J'attends de pouvoir lancer le jeu, ok. Bah écoute, on a fait environ 2 heures et quelques de jeu. 2h30, je dirais. 2 heures. Non, vous êtes un peu plus de 2 heures. Et on a fait le tuto, l'intro, et on est un tout petit peu après le début de l'histoire pour de vrai, parce que voilà, on vient à peine d'afficher le titre, donc histoire de, si t'as pas envie de te spoil ou si tu veux savoir où j'en suis, bah voilà. Il avait une sacrée bosse sur le nez. Ah ok, d'accord. Mirage, il apparaît. Nous devons y aller. Merci beaucoup celle-là. J'ai pas eu le temps de lire. D'abord, si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord, mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillages. Ne vous inquiétez pas, je vais pas du tout caresser tous les chats que je croise. Vous recueillez ces informations. Vous pouvez compter sur moi pour aller d'un point A à un point B sans du tout me dissiper. Il y a pas de problème, je suis à fond. Aucun sous. Oh, c'est trop cool. Bon. Où mon cœur va-t-il me mener maintenant? Rêve du spoil, ça impacte pas mon style de gameplay. C'est plutôt quel style, toi? Speedrunner, complétiste, rusher. Oh! Mais j'ai un dromadaire bébou.
Oh, c'est cool. Il fait... Non, mais il est rouillé, par contre, mon dromadaire. Il y a un truc qui frotte, hein. Non, mais vraiment, le pauvre, il crie. Mais tu souffres à ce point? Franchement, sinon, moi, j'y vais à pied, hein. Ouais, il faut du WD-40. Et ainsi, personne ne revit jamais Basim. Basim a chassé le premier papillon qui passait devant lui. C'était à peu près ça. Explorateur avant tout. Ah, je comprends de fou. Surtout que là, punaise. Punaise, quoi. J'ai un tout petit peu baissé quelques graphismes. J'ai l'impression que pour le moment, ça m'a fait gagner en fluidité. Pour le moment. Faudra voir peut-être les zones où il y aura beaucoup d'humains. Quoi. Oh, il y avait un... OMG. Un cobra. Attendez. Je vais descendre, je sais pas comment on fait. C'est censé être comme serpent. Il a une très grosse tête, hein. Peut-être un délire un peu de crotal. Je sais pas. Le gros... Oui, bah oui, non mais... Alors pour les serpents, dans tous les jeux, c'est soit des serpents à sonnette, même quand c'en est pas juste pour que les joueurs l'entendent, soit ils trouvent un moyen de te l'alerter autrement, mais très souvent, ils font un côté sonnette, parce que bah, c'est des bestioles qu'on voit mal, notamment dans un jeu, donc il y a toujours un signal sonore pour te dire que t'es un serpent. Un serpent à alerte sonore. Cousin du serpent à sonnette. Un mamba noir. Non. En plus, un mamba, les black mamba, il me semble que c'est en Australie, ça. Coucou. Coucou, KH. Oh, t'es vraiment rose, hein. Oh, je vais... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là? Regarde dans l'air. Regarde les flamants roses, elle aussi. Oh, elle est... Elle va pas bien. Voilà, regarde où tu... Oh, attendez, il y a des poissons dans l'eau, je vais voir. Attends, je sais plus comment descendre. Un black mamba. Ça donne envie d'avoir un masque et des tubas. Un masque et des palmes et un tuba. C'est un serpent à sornette. C'est des drones du gouvernement, non mais... Je fais un avec les... Non mais j'y peux rien, moi à chaque fois je veux des bestioles dans un jeu, je vais les voir. Et on est sur un jeu qui est pas trop débile à ce niveau-là, comme contrairement à d'autres, où tu te fais pas attaquer par toute la faune. Et c'est cool. Bon, je parie que je me ferai attaquer par des loups à un moment, ou des coyotes, mais... Mais ça change. Oh, tu débutes ton taf à minuit, 1h. Bon courage, KH. C'est pas Far Cry. Ouais, punaise, Far Cry, c'était frustrant de se faire attaquer par des oiseaux. C'était même pas des oies.
dois aller où, moi? Je m'éloigne un peu, je crois. Il est vraiment rouillé, mon pauvre machin. On va pas trop courir. Pardon. Pardon. Pas du tout fait exprès. Pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Il se fait vraiment pas du tout exprès. J'y peux rien, je le contrôle pas, il est tout rouillé. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Attention, pardon, s'il vous plaît, laissez passer le dromadaire en fait. Il est assez grand pour qu'on le voie, je crois. Aucun effort. Mesdames, laissez passer le dromadaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez un petit peu d'être sur le chemin. Laissez passer le dromadaire, s'il vous plaît. Oh, je suis immunisée quand je suis à dromadaire, du coup ils peuvent pas m'attaquer. Laissez passer le dromadaire, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà, je voudrais passer exactement ici. Et ici, et ensuite là. Et ensuite, je dois passer exactement là, et par là. Et là. Et là. Parle et laissez, s'il vous plaît. Soyez un petit peu mature. On laisse passer la monture, en fait. S'il vous plaît, madame, faites un effort. C'est inutile. Le jeu est sorti, il sort demain, ou alors il est peut-être sorti là depuis minuit. Faut vérifier. Le bouton joue à pop mais il est grisé. Est-ce que ce serait pas à une heure précise? On sait pas à quelle heure, ouais. Pardon. T'as pas l'air de transpirer pour quelqu'un qui joue sur un tapis de Dance Dance Revolution. Et t'as vu la stabilité de la caméra? Ah merde, je suis dans une zone où il faut pas que je sois, je crois. Le thorax. Comment ça, le thorax? Utilisez Enkidu. Sois mes yeux, Enkidu. Oh, Enkidu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, je pointe des endroits. Oh, d'ailleurs. Comme la vérité. Négociant. Une très jolie couleur. Forgerons, nous forgerons ensemble. Très bien, très bien. Ah, faut que je trouve le bureau. Oui, bien sûr, c'était ça. Ah, c'est ça, c'est... Ok. C'est mon détecteur de bureau qui se frétille. C'est ici, le bureau? Ah oui, bah oui, vu la gueule du truc, oui, c'est le bureau, ça. Ok, j'ai trouvé. Faut que je mette un point. J'étaye toutes les touches. J'ai mis un point. Je sais pas si... Je sais pas. On va dire que c'est bien. Les gens regardent vraiment pas où ils font. Où ils vont. Bah, classique, hein. Irrespectueux au possible. Oh, les moutons. Oh. C'est quoi ça? Sachez qu'un nid de cobra s'en prend aux voyageurs qui s'aventurent hors des murs. Dis-moi plus. Soyez vigilants lors de vos déplacements. Ok. Attends, le bureau, il est où? Pardon. Je crois que les gens prennent mal parce que moi j'ai une monture et pas eux. Un classique. Mais j'ai l'habitude. Les rageux, de toute façon. Quand on a dromadaire. On n'a pas le choix, on fait avec. Attends, tu as perdu la tête? Attends. Ce n'est pas nécessaire, je t'assure. Mon machin, il va vous gerber dessus. Eh, toi, si tu cries, attention.
Et un dromadaire. Voilà. Je le garde ici, ok? Vous prenez soin? S'il vous plaît. Je mange un peu. Non, c'est bon. Ah, dérobé. Attends, je pouvais te dérober. Attends. Je fais ça sans aucune espèce d'utilité, à part juste kleptomanie un peu. J'ai des jetons de service de pouvoir. Des jetons de service de pouvoir. Du coup, j'ai une map un peu. Là, le bureau. Ouais. Non mais du coup je vais prendre mon truc en fait. Les oiseaux sont des drones. Mais laissez mes petits drones, mes petits oiseaux tranquilles. Roshan et Foulad doivent probablement m'attendre au bureau. Mais oui, bah je le cherche hein. Vous avez pris soin? J'espère bien hein. Oh là là, comment ça gêne. C'est terrible ton créneau. Oh mais il m'énerve à suivre les PNJ là. Ah si je fais ça je le verrai. Voilà. Porte barricadée. Faut que j'aille là-bas. Ah non faut que j'aille là. Oh, une rue étroite où je peux courir. Oh non, mon machin, il a rebondi. Ouais, paix sur toi aussi. Mais surtout dromadaire sur toi pour l'instant. Ça doit être ici. Oh, j'ai entendu un chat. Si vous râlez, je vous mets mon dromadaire dans le passage. Un truc que je fais souvent. Voilà. Ça prendra à râler. Faites attention, il aime manger les humains. Les roues devaient sentir le caca à l'époque. Les roues devaient... Effectivement. Annie ? C'était où le bureau ? Bah cela dit, je peux le voir de là-haut. On va peut-être faire la tour d'abord. Oh, c'est loin. Oh, mais j'ai ça. Ouh là là, comment c'était raté ça. Oh. Ouais, des trucs là. Peux-tu y aller au lieu de le regarder? Il te plaît. Merci. Matériaux d'amélioration. T'améliores quoi? Des armes? Des compétences? Bon, tu peux escalader ça normalement, non? Oh non, il peut pas. Là. Allez. Voilà. Elle a quand même écrit synchronisé, donc il y a quand même toujours ce truc, non? J'ai 2 points de compétence à mettre? Bon. J'ai escaladé à cet endroit, ils abusent. J'avoue que sur le truc des... Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai pas su bien le faire, mais normalement... Ah mince, je voulais regarder. Merde, mais j'ai oublié. Il est où le bureau? Comment j'appelle mon oiseau? Montre-moi le chemin. Ah, c'est là-bas. Ok, ça va, c'est en face.
Attends. C'est mignon ici. Oh non, j'espérais qu'il y a un truc. Il y avait rien. Non, moi j'y vais pas, c'est bon. Ah, c'est là. Le bureau. Les petits effets d'ombre et de lumière, j'aime bien. Ah, j'étais censée passer par là, je pense. Ah non! De toute façon, je vais passer par les airs tout le temps. C'est écrit en haut à droite. Ouais, ouais, je pensais que deux, c'était... Je sais pas. Je sais pas du tout. Trop de ceux qu'on ne voit pas. Je m'attendais plutôt à un taudis. Mais pardon. Certains bureaux le sont. Et d'autres sont ornés d'or fin. J'ai plus d'eau. De la nature du lieu, ce qui compte est que notre présence demeure un secret. Ce qui est assurément le cas ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile ? Rien qui indique où pourrait être Ali. Mais Nour était en lien avec un dénommé Béchi. Béchian. Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Il travaille sur les quais, au port supérieur. Vois s'il se trouve dans les parages. Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu. Je sais qui Ali. Il semble que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des ateliers. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette piste est assez mince, mais au moins, c'est un bon début. Foulad et moi allons tâcher d'en apprendre davantage. Sois prudent. Ok. Mais j'ai toujours plus pourquoi on le cherche. Moi je veux bien, hein. Mais pourquoi? Ah, j'ai des quêtes. Le menu d'enquête. Comment ça, des enquêtes? Moi, je veux quêter, pas enquêter. Comment ça, des enquêtes? Les affaires nécessiteront des indices pour être dévoilées. On les trouve en se rendant à certains lieux, dans certains lieux. Et en aidant des habitants après avoir obtenu un indice, examinez-le afin de disposer de plus d'informations susceptibles d'être utiles à votre enquête. Suivre une affaire mettra à jour des informations cachées sur la carte, la boussole et dans le journal de jeu, afin que votre progression dans les affaires... Au fil de votre progression... Ok... Oh non, pas Pimon à moustache, hein, ça va, hein. On va, hein. Soupçonne l'ordre d'être derrière la disparition d'Ali. Trouvez Béchi. Trouvez contact de Nur. Carte du monde indisponible. Comment ça? Mais normalement, j'ai fait le truc de la foi. Inventaire. Une épée dans la main représente une source majeure de dégâts. Une arme se tient dans la main. Une dague se tient dans la main secondaire et influe sur les dégâts que vous infligez aux ennemis en parant. Ah oui, oui, oui. Tenez davantage des avantages uniques. Elle vous aide à vous faire plus discret conformément aux valeurs de ceux qu'on ne voit pas. Ça va être compliqué ça. Revêtir un habit permet de personnaliser l'apparence de Basim selon vos préférences. Ça change rien aux avantages. Amélioration d'équipement, où ça? Il est possible d'améliorer les armes, les tenues en important A1 machin, un forgeron ou A1 tailleur, un schéma spécifique. Ah d'accord, les schémas, ok.
L'amélioration existe en plusieurs échelons. Oui, d'accord. Compétences, ça va me stresser là. Bon, si c'est simple, ça va. J'ai 2 points de compétences à mettre. Ah, repousser avec le pied, c'est bien ça. Collecte auto-fouille automatiquement un ennemi après l'élimination discrète. Dévoilement des clés et mise en surbrillance des opportunités telles que les coffres par la vision d'Enkidu. Les entrées secrètes sont aussi plus faciles à découvrir. Ah, je sais pas. Le coup de pied, moi je mens. Bon, ça va. Si c'est que ça en arbre de compétences, ça va. Ça me stresse pas trop. J'avais un peu peur. Inventaire. Du coup, j'ai une autre tenue? Non. J'ai pas d'autre arme non plus, non. Est-ce que j'ai un talisman? Non. Est-ce que j'ai une teinture de tenue? Non. Est-ce que j'ai un costume? Non. Est-ce que j'ai initié? Orange, c'est ceux qu'on ne voit pas. Initié. Initié plus plus quand même. Ah, je peux améliorer mes outils. Mais pourquoi faire une... améliorer une torche par exemple? Ce service coûtera une certaine quantité de matériaux. Ah oui, d'accord. Tout le lancer. Ah ouais. Bon, on verra tantôt. Hein. Ah, faut que j'enquête alors. As-tu quelque chose à me dire au sujet du quartier de Shari? En quoi a-t-il pu intéresser Nour? R, frère, en plus, t'as un doigt en moins. Écoute, c'est peut-être vrai, mais je suis toujours très capable, d'accord? Ne m'ostracisse pas. À bien y penser, Nour avait parlé d'un nouveau contact, un marchand. Il est possible. Moi je me mute, mais là je tousse un petit peu. Probablement parmi les ouvriers des tanneries. J'ouvrirai l'œil à la recherche d'une échoppe. J'arrive, j'ai une petite crise de tout. Et j'ai la flemme d'aller chercher de l'eau. Ah, c'est pas grave. Franchement, pas d'eau. Tout à l'heure, quoi. Prends soin de toi, Lox. T'inquiète. Mais je pense que c'est parce que vu qu'il fait chaud, il y a encore pas mal de pollen. En tout cas, j'ai quand même mon... j'ai mon purificateur. Il est là. Il est en train de faire des trucs de purificateur. Normalement. Ah, j'ai encore un point de compétence à mettre. Eh ben, je le mettrai maintenant. Ah, ça coûte 2 points. En vrai, tous les premiers trucs sont intéressants, donc je pense que je vais tous les prendre. Purifie maintenant que tes voisins ne fument plus. Et ben justement, apparemment hier, mon copain, en sortant de son bureau, il dit ça pue la clope dans l'entrée, et moi je le sentais pas. Donc c'est qu'il a dû marcher. Voilà. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'ils fument quand même vachement moins. Ou alors ils ont fumé que dans l'entrée, que dans l'escalier. Je sais pas. On verra. Faut que j'attende encore un peu. Mais j'aime pas, on entend trop les blabla des gens qui ne m'intéressent pas. Alors, afficher les affaires à proximité. Ah ouais? Cul. C'est écrit cul. Ça, j'ai synchronisé. Hein? Déplacement rapide. Oh, je savais pas ça. Il me semble qu'on peut respect. Je pense qu'on peut respect. C'est pour ça que je m'en fais pas trop. Mais les 3 premières compétences m'intéressent, donc je vais toutes les prendre, les 3 premières. Je pense qu'on aura plus de points que... Enfin, de toute façon, on pourra... Peut-être pas avoir tous les arbres en entier, mais avoir faire un arbre complet, plus avoir des points pour les autres arbres de compétences. Donc je me fais pas de soucis. Mais ouais, ça m'étonnerait pas qu'on puisse respect maintenant. C'est un classique. Ah, faut que j'aille là-bas. Il est où mon dromadaire? Je l'avais laissé à des marchands.
ويقاتلون في سبيله باستمرار. ما الذي أمر يجري؟ أمه. عرضت الأمر على قسطن. لقد فهم المشكلة. هناك تقريبا ولن يكون لدي. Peut-être si je le siffle. Merde, j'ai plus mon dromadaire. Vas-y. J'ai plus mon dromadaire. Vas-y. Vas-y. J'ai plus mon dromadaire. Bon, oui, le banc, c'est pour se fondre dans l'environnement. Je vais visiter un peu et puis après on ira à la quête. Mais là, je veux un peu voir ce qu'il y a, de, ce qu'il y a à faire. Il y avait un bouton pour initialiser. Oh, bah ça va. Et c'est vous les gosses. Je crois que j'aimerais utiliser mon coup de pied. Parce que c'est drôle de pousser des gens dans l'eau. Je le ferai jamais dans la vraie vie. Hein. Si, je le fais une fois. Mais c'est une copine. Elle m'a beaucoup fait la tête après. Du coup, je le ferai plus. Jamais dans la vraie vie. Non, mais du coup, je le ferai plus. Mais dans les yeux, c'est rigolo. Quand même. Comme sur des rollers. Bon, je vais... Eh, vous savez quoi, je me disperse trop. Je vais mettre un point parce que je me suis déjà beaucoup éloignée. On va aller là-bas, mais sur le chemin, on va faire des trucs. Suivre. Je suis sous la douche à Toronto. Bonne douche. Oublie pas le nombril. Moi, je l'oublie toujours. Salut Salah. À quelle fréquence par semaine? Je stream tous les soirs, mais je joue à différents jeux. Un peu tous les soirs aussi. Donc là, j'attends de voir un petit peu si je suis motivée pour faire le jeu complet en stream ou pas. Je verrai à la fin de la soirée. Voilà. Mais s'il me plaît, bah, j'en ferai sûrement demain. Pour le moment, c'est cool. Je m'éloigne, hein. Non, ça va. Mais il y a trop de points d'intérêt que je n'ai pas, en fait. J'ai envie de manger du pain. Faudrait que j'aille au forgeron aussi pour que je me rende compte un petit peu de ce qu'on peut faire avec les armes. Savoir ce que ça coûte d'améliorer. Et en vrai, son seau, il fait très peu d'éclaboussures, GG. Elle est où ma quête? Mais attendez, je la suivais. Ne plus suivre. Bah si, je veux la suivre, mais j'aimerais bien en fait avoir un endroit sur ma carte. C'est chiant. Bah sinon je mets un point à côté. Voilà. Pas quand je clique sur le point, ça me propose d'aller dans le menu d'enquête. Ça me propose pas de la marquer. Et ça me la fait suivre, mais ça, je la suis sans que ça s'affiche. Ça marche, merci, je t'en prie. Nous sommes des frères. C'est peut-être Béchi qui rallie ses hommes. Épaule contre épaule. Car si l'un d'entre nous tombe, c'est son voisin et personne d'autre qui l'aidera à se relever. Je vais descendre en fait. Diminuer, diviser. Mais ici et aujourd'hui, nous tenons. Et tant que nous resterons en vie. Ne faites comme si je n'étais trop pas là. Alors, oh, des 34 lingots d'acier, je suis sûr que c'est trop bien. Priez pour qu'Allah guide votre bras. Car en ce jour, une grande victoire se dessine à l'horizon. J'aime bien parler très proche à mes interlocuteurs. Oh, Béchi. Dommage, j'aime bien être collé. Je trouve ça très drôle. Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Oula, il y avait un problème avec les vêtements. À peine. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule.
Comment dois-je t'appeler ? Basim. Très bien, Basim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre ? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Oh ouais, go. Pourquoi donc ? Vous comptez aller chercher Ali ? Pas encore, non. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Ali ? Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port, un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici, pour escorter ceux que nous libérerons. Vous avez tous la même manière de penser, mais le plan est bon. Ok. Il a voulu nous faire un reproche, mais il a pas pu. Vous avez vu ? Et du coup, il était deg. Donc il a quand même essayé d'en faire un début, quoi. C'est parti, les foufous. Force supérieure. Ça va, toi ? Tu vas bien ? Arrêtez de me parler dans les oreilles, vous. Oh, j'ai du stress de foule, là. J'aimerais bien pouvoir atténuer les dialogues en arrière-plan. Ils sont trop nombreux. Comme dans la vraie vie, je dirais, mais en pire. Vision de l'aigle. Il y a des trucs à looter partout. Mais ça se tue, ça. Et de là-haut, je peux le faire easy, je pense. Ne fais pas attention. C'est un meurtre non létal, ne t'inquiétez pas. On peut le mettre dedans. He's ok. Ah, il m'a niqué. Combattre des actes répréhensibles augmente la notoriété. Plus l'acte sera grave, plus la notoriété augmentera. La jauge de notoriété comporte 3 niveaux. A chacun d'entre eux, les habitants de Bagdad deviennent plus soupçonneux. Ah merde. Réduisez votre notoriété en arrachant des... Ah, c'est des avis de recherche, ok. Notre possibilité consiste à soudoyer un Mounadi. À l'aide de jetons de pouvoir. Ah, mais j'en ai trouvé. Ah, les crieurs publics pour qu'ils parlent d'autre chose que de moi. D'accord. Ah, c'est marrant, j'aime bien ce principe. J'aime bien ce principe du... Je sais pas si c'était, si c'était toujours comme ça dans les... Dans les anciens. Dans ceux de... Ceux qui... Dans les Assassin's Creed plus récents, voilà, ça que je voulais dire. Donc pas du tout anciens. Mais j'aime bien le principe d'actes. Qui font que tu te fais plus repérer après. Je sais pas, je trouve ça cool. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. Et voilà, le meurtre, il est réparé. Bon, il y avait plein de loot ici, ça me semble. Ah, j'avais pas vu. Oh, c'est des balles. C'est des munitions de je ne sais quoi, des balles, qu'est-ce que je dis? Oui, mais... Les fameux flingues du Moyen-Âge. Mais voilà, lui par exemple, il parle tout seul. Ça parle tout le temps dans ce jeu. Ça ne fait que jacasser. Alors, c'est rigolo, ça fait de la vie et tout. Mais parfois... Parfois, chute, hein. Allez! Oh mince, il veut pas. Allez, s'il te plaît. Bonjour. Y a-t-il quelque chose? Ah oui, mais ça aussi c'est des munitions. Ben ouais, mais je ne... Ok, ça me sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? J'ai oublié ma quête. Ah, il y a un mec en bleu là-bas. Ça doit être un... Quelque chose qu'il faut que je fasse. Libérer les rebelles. C'est donc un rebelle. Ah va, j'ai juste pris des plumes. Oui,
moi je me baladais tranquille. J'avais oublié. Mais... je sais plus comment courir, comme ça. Je suis caché. Je me suis bien caché en vrai. Regardez ça. Oh la cachette. Oh la cachette. Toi et meurs avec honneur. Si je les vois pas, ils me voient pas. C'est trop fort. J'ai dit merci, je crois que je suis coincée. Ça va, ça va. Le jeu m'a décoincé, il a eu pitié. Mais je pourrais pas avoir une tenue plus discrète en vrai, comme ça je suis comme un habitant normal et... En vrai hein. Je sais pas si je suis très cachée. Bon, ok, vision de l'aigle. Où qui sont les gentils? Ah oui. On veut trop peur. Voilà, on va observer d'ici, hein. Main nue, mais stop! Ça me rouvre. C'est normal comme dans Hitman. Ou, même pas en fait ce principe spécialement de... Mais oui, même pas forcément le principe de changer de fringue. Juste de pas avoir une tenue d'assassin quand t'es dans une zone où tu te fais repérer facilement. Alors après si c'est une zone où il y a, imaginons que des gardes, bah oui ça marcherait pas. Mais dans une zone comme ça où c'est un bout de ville et où t'as des habitants, bah si t'as une tenue comme ça, si t'as une tenue normale, tu vois, d'habitant, tenue un peu pécortière, tu vois, bah tu passes tranquille. Mais c'est vrai que oui, depuis le début d'Assassin's Creed, on se pose la question. C'est vrai que bon, c'est pas le principe du jeu, quoi. Mais disons que là, ça me stresse parce que je me fais repérer juste à cause de cette tenue. C'est des munitions de quelque chose. Oh, je sors par où? À part là. Effondrement d'échafaudage. Au moins, il n'y a pas trop de manches aujourd'hui. Comment je fais s'effondrer l'échafaudage? Attends, avant. Ah, c'était ça? Ah merde, j'ai raté alors. Bon. Je pensais que c'était ce truc-là qui fallait se faire s'effondrer. Pas drôle, un aigle. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te prend? J'ai rien fait, hein. J'ai fait des droites gauche. Oh là là! Attends, je vais t'aider. Ça s'est passé totalement comme j'imaginais en vrai. Voilà ça là. Ça faut que je fasse. Ouais oui. Je sais pas comment mais faut que je fasse. Ah, d'ici peut-être.
Mais c'est pas possible, je peux pas laisser le truc tel quel, faut que je le casse, je ne sais comment. Ça marche pas. Attendez, peut-être à côté. Genre ici. Ah, ça marche pas. Alors qu'ils sont pile poil en dessous de ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne puis y croire. Un couteau. Il fait un peu rire avec son couteau. Ça marche pas, hein. Bug, je pense que, en fait, vu que c'est, je suis un peu encore dans une phase d'apprentissage, pas tout à fait de tuto, mais plus ou moins, c'est peut-être que je fais pas les choses dans l'ordre. Je sais pas, je... Ça peut être ça. Peut-être que je suis censée faire ça après. Ça m'étonnerait pas. Allez sur les quais, retrouvez Béchi. Qui me crie-tu ? Ça va pas, non ? Merde ! Je voulais trop les tuer autrement, eux. Attends. Oh, ça va. Oui, va dedans, s'il te plaît. Par ici, allez. Je vais te tuer. Je suis là. Personne ne te tombera dessus. Je vais t'écraser, insecte. Je pense jamais il me trouve, de toute façon. Super cachette étagère, oui. Il y en a ici, mais... C'est pas fou. Eh, l'étagère, ça fait le taf. Hein. Bon bah, eux, malheureusement... Oula, je suis encore opéré un peu, faut que j'attende un peu. Bon, je vais faire libérer d'autres gens. Ah, je peux me cacher là aussi. Bonjour. Alors je voilà. Bon, eh, tout à fait. Oh, c'est quoi ces anguilles? Ah oui, c'est anguilles. Mais ça aussi, regardez, ça doit exploser. Je sais pas comment le faire. Je pensais peut-être utiliser des couteaux à distance. Je les utilise pas, mais je connais pas bien les raccourcis. Super. Putain. Les touches. Ah, rien par ici. Oh, c'est lui qui a une... Il a une clé, lui. Bon, alors. Où est-ce qu'il est? Je vais t'écraser, insecte. Quoi? Attends. Merde. Non. Fichier. Vite, vite, tu montes. Oh,
Putain, je galère. On va pouvoir lancer un couteau. Ouais, mais je sais même plus comment les... Je connais même plus le raccourci des couteaux. Oh, me trouver. Et j'y croyais pas. Hein. Il s'enfuit. Va-t'en, saute. Il veut pas sauter. Putain, j'appuie sur A, il saute pas. Ouais, et tu fais pas beaucoup d'efforts. B, allez, on s'il te plaît. Que je les avais brain. C'est pas le cas, hein. Je cours pourtant, mais je vois pas bien. Oh, c'est bien là. Avec les cadavres. Comment ça? Je ressors direct. Ça n'a aucun sens, hein. Ils m'ont pas du tout vu, hein. De bien se passer. Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a des interactions à faire et j'arrive pas à trouver les touches, et quand je cherche en fait, c'est ben je me trompe et j'active des trucs que je veux pas activer. Par petit, porte de la ville. Que voient tes yeux? Le chemin de la paix, l'ami. Tu me poucaves là, mec. C'est vrai, tu m'aides pas beaucoup là. Je suis pas là. Bon. Attends, est-ce que j'ai des couteaux de lancer? Au moins, j'en ai pas en fait. Ah si, consommable. Ah, c'est équipé d'un petit RT. Ok, bon, je vais tenter ça. Je vais tenter ça parce qu'à un moment, il y a un endroit où il y a un truc qui peut exploser à côté de garde. Ah oui, ça par exemple. LT. Ah! Bien vu, c'était ça. Et maintenant, RT. il y en avait un en dessous. Au moins, je l'ai. Voilà, j'ai pu le faire. J'ai eu une ordre. Ok. On apprend. On apprend doucement, on apprend. Comme j'y, hein. Quand on tue tout le monde, il n'y a plus de témoins. Il n'y a plus de danger. Ouais, ça n'a pas le tuer. Ah oui, ici, voilà, il y avait ça. Ah,
Faites semblant de rien. Ouais, voilà. J'attends que le point d'interrogation au-dessus de ma tête disparaisse. Je mets trop de temps à faire une putain de quête. C'est la première. Séparez-vous. Cherchez bien partout. Compris. Personne ne peut. Il n'y a pas une clé, celui que t'as brûlé. Mais il va rester le cadavre, je vais pouvoir le fouiller. Il a flairé ta piste. Nickel. Hey, t'as rien vu. Bon. Putain, je suis au fond. Je suis clairement au fond là. J'en peux plus. J'aurais dû faire la vision de l'aigle, j'ai pas le réflexe. J'arrive pas à passer, il veut pas. Dieu m'accorde sa force. Oh, merci. Enfin, c'est si long. Allez, ah merde, y a pas de cadavre en fait. Je vais me rapprocher de la zone où je dois aller au moins. Quitte à être repéré, voilà, je dois aller là. Non. Allez, monte. Je m'enfuis un peu loin. J'en ai un peu marre. C'est bon là. J'en peux plus. C'est dur. Il vient. Garde pour se mettre vigilant. Oh, cette ville parabolo. C'est bien vrai ça. Oh là là, allez. Oui, bah... Eh oh, j'ai fait quoi? Ok. Vision de l'aigle. Regarde là. Là-bas. Là, c'est des gens qu'il faut que je libère, j'imagine. Ou je sais pas, ou c'est des alliés. Allez, passe! Parce que c'est, mais j'y vais. Ah non, d'accord, c'est des PNJ. Ça a rien à voir avec ma mission, en fait. Il y a un archer là-haut. Yeah.
Non! Arrête de siffler, je t'en supplie! Oh! C'était nécessaire. J'ai eu sa clé. The Nobody is clean. Repeat, The Nobody is clean. À vous, est-ce que tu y aurais pensé si je t'avais pas dit pense bien au Nobody? Voilà, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Ça va toi? T'es au calme toi? Bah c'est... Il me gueule dessus mais bouge pas d'un poil, j'aime bien. Porte verrouillée, t'inquiète pas, on va pas le rester. Oh là là! Merci beaucoup, l'ami. Mon achat d'ouvriers originaires de l'Ouest s'est avéré plus compliqué que prévu et je m'attends à manquer de bras jusqu'à ce que la question soit résolue. Pour l'instant, tous les rebelles capturés devront être épargnés et emprisonnés. J'organiserai leur transport, emploierai les plus aptes et me débarrasserai d'eux peu après. Sache que ta rémunération sera à la hauteur. Al-Ghul. Ah, des petites récompenses. Ça me fait fort plaisir, vous savez. Ça me fait fort plaisir. J'aime bien mériter. De louper le nombril. Ouais, mais bon, flemme quoi. Oula là là. Ah, attendez. C'est pas mal là. Hein. Oula. Attends. Toi, reste là. Qu'est-ce que... Merde! Oh, ça me regarde. Nulos. Arrête de vier. Oh non, mais hey, s'il te plaît, un effort. Bon, y'a un coffre là-bas, on y va. J'ai voulu le tuer, mais j'ai pas réussi à viser, et puis bah j'ai plus de munitions. Attendez. Ah, oui, d'accord. Ah, y'a quelqu'un libéré. Ah, attendez. Peut-être me démerder si je fais un truc du genre. Genre ça. Allez. Non mais... Mais quel connard. J'ai essayé de sauter là-haut. Ah, il veut pas. Mais pourquoi? Non, mais... Saute derrière toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Voilà, c'est ça que je veux faire depuis 5 minutes. Une minute, quoi ? Donne-moi la force ! Ah, vos flèches ! Lâche ! Allez, viens. Reviens te battre ! Ah, te voilà ! Ah, je peux pas assassiner, là. Trop chiant. Oh, on peut aller sous l'eau, par contre. Et il fait nuit tellement je me bats depuis longtemps. Vous pensez qu'il repop? Ou que je pourrais nettoyer toute la zone? Parce que ça me fatigue. Salut Bijou! Bijou fusée. Je me planque sur mon armoire. Oh non, ici ça passe. Non mais si, défi principal accompli. Ah oui? J'ai pas l'impression d'avoir vraiment super bien accompli mon défi. Hein. Je dois avouer que... Si... Là tout de suite, question d'avoir fait juste nawak. Où c'est qui derrière? Ah, ça va, c'est un civil. Les civils ils poucavent pas eux. Nombril sale, ça sent pareil qu'un fion mal lavé. Tu sens ton nombril? Nombril obsession.
J'allais là, tiens. Bon, on a du coup des civils à sauver là-bas. Mais j'aimerais bien... Attendez, je pense qu'il fait... Toi. Non, merde. Tati. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hmm. Oh, j'ai chopé un des couteaux. Oh, punaise, j'ai des couteaux. Peut-être que je peux faire un truc. Pas un truc à faire tomber? Non, j'ai pas l'impression. Que quelqu'un vienne m'aider, s'il vous plaît! J'arrive! Il n'y en a plus. Je dois maintenant les rejoindre. Oui, il y a un coffre par contre, hein. Tu vas te calmer. Hein. Oh! Oh oui, c'est ça que je voulais faire. Trop mort. Oh, c'était quoi ça? Attends. Lâche tout. Je veux lâcher. Merci. Oh, ça va être chiant ça. Oh, ça va être chiant ça. Yeah. Ok. Je comprends. Je peux pas le déplacer de gauche, de droite. Je peux que faire ça. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un passage ici. Ok, j'ai rien dit. Trop lourd cette histoire. J'aime pas pourquoi je fais ça. Si, je sais. Lâche. Oh, je vais vous soulever. Putain, mais j'arrive plus à sortir. Ok, je vais me changer. Une tenue. Oh, le téton. Let's go, le téton. Téton. Ok. Il y avait quoi d'autre, à part une tenue téton? Oh, je peux libérer la poule. Attends. Ça. Attends. Pardon. Il a fait deux coups sans que je le veuille. Une fois qu'il était fort. Je t'ai libéré de la vie. Je sais pas ce que je voulais faire. Mais là... Ah, tu peux envoyer à toutes les assos là. Foutu là. Je ferai jamais... Ils font jamais de features avec moi, c'est mort. T'as tué une poule dans Assassin's Creed. C'est pas ma faute. Je suis montée là-haut. Je
peux partir en vrai. Mais bon, je me dis peut-être qu'il y a un truc en haut. Ouf. C'est bon, on a fait tout plein de trucs là. C'est bon. Un coffre là-bas. Ça, c'était pour le kiff. Je le doute même pas. Oh, Kitan, il se balade tout partout, il se rigolo. Ne tapez pas. Aimerais-tu goûter à nos délices mélodiques ? Tu es bizarre ta proposition. Je ne goûterai pas à ta clé de sol. Allez, je m'en vais. Avant, on s'assoit un peu. C'est du bien. Tu vois l'endroit où je dois aller maintenant que j'ai fait ma mission. Ah merde, c'est de l'autre côté. Ah zut. Bon bah j'y vais. La végétarienne devant ce élève animal a tué un oiseau dans un mirage. Honte à elle. Nous vous enjoignons à la harceler dans, sur son stream, évidemment. Mais que si vous êtes sub. Important. On harcèle, mais dans le capitalisme. Lâche, 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 lâche. Lâche avec ton téton. Et c'est bon. Libéré. Et je les ai tous libérés. De la vie. Tu es tenace, Bassim. Ouais. Je ne fais que voir. Ensemble, nous mettrons fin au malheur de cette ville. Ces malheurs sont l'œuvre d'Al'Ghul. Ouais, les voix de tout le monde. En plus, en fait, des oreilles. Que peux-tu me dire à son sujet ? Elles sont au niveau de notre caméra. Ils s'emparent des. Du coup, quand il y a des gens derrière nous, en fait, on les entend très fort derrière le perso. Parce que la caméra est derrière le perso. Rebelles, ouvriers. C'est trop chiant. Pour y chercher, je ne sais quoi. Je ne sais que quoi. Ils ont été capturés en même temps qu'Ali, il y a des semaines, et devaient finir leur vie dans le sable. Pas Ali. Il a été emmené ailleurs. Ils nous ont marqués et séparés. Ali était dans un autre groupe. Il tenait à l'interroger à propos de toi et de tes amis. Et de ton téton. Peux-tu me montrer cette marque ? Qu'as-tu en tête, Bassim ? Je pensais qu'il allait le montrer sur un papier. Sont suffisamment approché d'Al'Ghul pour qu'il le remarque. Ou si sur le sol. Si nous pouvons aller, il pourra nous mener. Sur le sol, ça aurait été logique. C'est une solution, oui. Mais il y en a peut-être une autre. Je vais aller où ces hommes étaient envoyés creuser et me faire passer pour un prisonnier. Tu es devenu fou. Entêté seulement. Tiens, prends ceci. Je suis censé en faire. 800 km. C'est un jeton de rythme. Carré de sable. Il marque dans l'air. Feront ce qu'ils oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sable autour. J'avoue, c'est bizarre cette scène. Mais c'est parce qu'ils étaient emmerdés et ils l'ont foutu sur le pont. Dans les faubourgs du Nord, c'est une place forte rebelle. Tu y seras le bienvenu. Wafakakallah. Barakallah. Tout pareil. Ma recherche d'Ali se poursuit. J'observerai peut-être quelques indices dans le quartier de Shari. Fin de la VOD. Bisous VOD.